no fanno se Mackenzie Joseph, secretario generale, che Zoya è sembrale. Ou gen tout sit sa yo, donc explique nous non, AS Nouvelle li pa déplacé, pour qui ça match là pas joué. Jusqu'à présent, c'est grande question ça que n'a posé tête nous parce que programmation de sortie et qui dans quatre match aller 16e de finale Coupe de la Présidence AS Nouvelle, je suppose grande sauter Léogan pour nous jouer face à l'équipe Cavalier de Léogan là. Et très tôt dans la matinée, délégation Mibale a été quittée Ville Mibale, nous étions déjà 1h30, nous étions déjà présents dans le parc Jean-Christophe de Léogan. Et à grand service pour nous, délégation ou encore équipe Léoganesa, Patrick Von présent. C'est un officiel match opté là, mais malheureusement, Cavalier va faire signe de présence. Signe de présence, jusqu'à présent, nous ne savons pas pour qui raison, mais nous allons nous faire des placements en vain dans Léogan et puis match à Vagin. Et vous voulez dire non que le monde qui est responsable du championnat n'a pas alerté nous comme quoi il y a un problème qui cause que Cavalier n'a pas recevoir nous? Non, non, pas de gens qui ont été sortis dans ce sens là. Et notre confirmative match a été toujours en cours. Délégation officielle match a été fait des places dans la Coléogane. Bon, nous très étonnés tout que Cavalier n'a pas connaissé aucun problème personnel avec les organisateurs de ce tournoi. Nous sommes au courant. Mais nous n'avons pas de note qui demande de nous voter de la carrière. À tel point que nous avons un frère de déplacement. Nous avons dû nous déplacer et frère ça a été disponible pour AS Nouvelle que nous n'étions pas fait récupérer au niveau du bureau fédéral. Et pas grand monde qui a dit non que match avec quelconque contrariété qui pouvait faire le battre. C'est pour dire que la programmation est maintenue, c'est que l'équipe Léoganesa, en parlant de Cavalier de Léogan, était choisi par recevoir la délégation AS Nouvelle, était choisi par jouer match. Jusqu'à présent, nous avons dû créer. Est-ce que Kounia là et dirigeant qui a organisé la compétition pas au courant de ça? Et est-ce que vous alertez nous pour dire nous et qui s'est passé dans le cas ça? Bon, dans le cas ça, je ne sais pas si vous êtes obligé d'alerter nous parce que vous connaissez le tournoi, c'est élimination directe et c'est match à base de visite réciproque. Normalement, je sais toujours fait dans le style de tournoi ça. Depuis une match, une manche qui va jouer, c'est que l'équipe a perdu série. C'est pour dire que le Cavalier pour nous-mêmes éliminé. Donc ASM a poursuivi dans la coupe de la présidence. Mais maintenant, qu'on est assez, une réparation que ASM a demandé. Parce que pour nous faire des déplacements, pour nous aller dans la commune au Gaz, c'est vrai, le bureau fédéral de Baron Tifré, qui vous découvre faire des déplacements, mais nous-mêmes tout. Pour nous préparer l'équipe pendant une semaine, pour nous mettre les joueurs en condition, de les débuts qui fait, nous avons mis en pile sur le match que nous avons pour nous recevoir la caille, nous n'avons pas de bias pour nous faire reset, pour nous décaquer de l'équipe en vie. Nous connaissons des conditions difficiles et c'est bon à jouer. Maintenant, il nous vient aux organisateurs de tournois pour nous dédommager à ce balai parce que ce n'est pas possible pour les joueurs organiser un championnat. Et si il y a des gros problèmes, match à pas jouer. Nous même nous décidons de courant au commencement, nous n'avons pas besoin de faire des placements à l'Isala. Même si Cavalier n'a pas abandonné le championnat, même si nous avons continué à jouer ça, mais nous n'avons pas besoin de faire des placements. Je nous connais une situation économique qui est très précaire. Dans quelles conditions on a fait football, tout le monde qui n'a qu'à supporter le football là, il y aura l'école derrière. C'est un peu de grand sacrifice et puis pour difficile à faire comme ça. Donc nous croyons aux organisateurs pour dédommager AS Nouvelle parce que ça a très clair tout le match pour tout que nous avons de recevoir et difficile que nous avons fait à que nous avons gagné un fonds organisateur pour ça pour nous pour continuer dans les choses là. Et Kounia là, est-ce que mis à part de l'autorité officielle qui t'a parlé pour siffler dans ça, nous pas joindre aucun dirigeant et cavalier qui était pour fonds avec nous? Non, non. Jusqu'à ce que nous quittions la Coléogane, qu'est-ce que déjà Cavalier par une dirigeante? Même pas c'est tout. En tant que, même pas solidarité entre et dirigeants de football. Parce que nous tous, ni AS Nouvelle, ni Cavalier, nous avons subi même bagaille. Peut-être Cavalier a revendiqué un bail qui est juste, mais on ne va pas faire au détriment et club compétiteur et tout. Et même pas c'est un dialogue. Peut-être qu'on va connaître Cavalier qui a joué une solidarité à AS Nouvelle. C'est de bon dialogue que nous avons planifié ensemble pour nous connaître ce que nous avons fait, mais c'est plus facile. Mais malheureusement, nous avons choisi ce cavalier seul pour ne pas recevoir la délégation de Maléa et pour ne pas cacher le match. Et disons,
besoin au niveau fédéral, au niveau des organisateurs de la Coupe de la Présidence, pour nous venir dédommager à Timbalet, pour nous capables de continuer le tournoi, parce que sinon, nous ne sommes pas capables. Bon, un bon message encore une fois pour Efrantik à Timbalet, après des temps de matchs à jouer, mais c'est bien dommage d'y pas arriver à jouer et faut continuer le travail pour suite compétition, mais tout pour le championnat national et Cap Gabouvini. Objectif à l'éclair, c'est de monter le coup sur le championnat parce que tout le monde est malin, tout le monde est malin, parce que je vais pour la deuxième fois dans le CONCACAF des clubs champions. Et pour nous faire, il faut que nous remportions le championnat national. Nous créons une ouverture là, tout le monde mobilisé pour faire une clôture là. Mais on connaît, si c'est mieux faire le championnat national, il faut que d'abord on qualifie pour le play-off. Donc l'objectif là, c'est de mettre à l'étoile en jambe. Dès que vous connaissez au niveau. Nous déjà nous choisi pour faire un recrutement dans l'équipe qui a joué Ligue. Il va y avoir trois équipes qui ont joué dans la troisième division. Nous déjà pris meilleur pour nous faire intégrer l'équipe avec ce balai. Donc nous pensons que les jeunes à jouer, ça c'est une équipe qui bourre de talent. Et ça ne va pas empêcher que nous jouons beauté et clôture. Donc rêve là, c'est une joue beauté et clôture pour nous faire qui est dans le play pour nous rapporter tout là. Mais ça, c'est notre numéro, toujours supporter à AS Valley. AS Valley, tout le monde a parlé là, seul sponsor, c'est Bayer Macho. Et dans ces années, on a fait plusieurs visites, nous avons été présents, nous avons été présents, nous avons été très présents, et ça fait que nous passons bon séjour, nous avons porté l'ouverture, nous avons essayé que nous avons été présents encore, et nous-mêmes, au niveau communautaire, ça nous toujours pour mettre tout, c'est mettre des joueurs qui techniquement doués, physiquement qui sont en forme. Pour faire content les revenus dans le parc Bayassa. Et nous continuons avec la politique qui fait que si nous n'y balayons pas la majorité jouer football là, et nous avons à 98%, nous avons une 100% de balayons. Et l'objectif là, c'est une bac à 15 000 comme ça, plus de temps aussi. Merci. C'est le pour une sur Radio Bio. C'était Mackenzie qui lui-même s'est surcrité en même temps, délégué, équipe, eh bien. Et qui va Esmir Balay, donc qui t'a réagi sur match Cavalli, t'a dû jouer contre Esmir Balay, match football ça qui pas arrivé jouer, alors que délégation Mir Balayzien a été déplacée pour aller Léogane, match ça, il pas arrivé jouer et pour qu'on gagne, rien qui décide, bon côté dirigeant Cavalli, pour qu'on ait qui ça, t'es gagné dans match football ça. Et l'autre match qui t'a gagné polémique là, Denis Siegle, Nord Bosco, jusqu'à présent, Gampil Balampil, mais ça n'a pas empêché que hier, non ça qui a ouais, à 8e de finale, là, bien, Aïe yo, Aigle Noir a gagné PIH 2 goals à 0. Eh bien, Aigle Noir qui est sous bonne bande là pour qu'il soit capable de jouer cordé finale compétition. Ça, ASC qui lui-même a tombé devant l'équipe FICA et 1 goal à 0. Getapet qui tombé également devant l'équipe Baltimore 3 goals à 1. Pourtant, il y a un SSL qui fait 0-0 avec Racing Football Club de Gonaïve dans le derby. Kayan pas gagné victoire. C'est Juventus qui fait 0-0 avec l'équipe America Tech Island. Et là, nous comprenons bien tâche seul pour aussi facile. Pour l'équipe ça on a pris des temps pour qu'on commence à voilier et qui ça qui t'est passé il faut parler avec dirigeant Cavalli de Léogagno pour nous connaître de quoi il en est et n'a pas quitté très rapide de dossier local pour nous faire courir à l'échelle internationale puisque hier il y a plusieurs matchs qui étaient joués et que ce soit en Europe ou du moins en Amérique. Tout d'abord en Europe il y a Portugal qui crasait il ferroyait ses goals à eux avec surtout au triplé de Cristiano Ronaldo, de même que la France qui crasait équipe Pays-Bas 4 goals à 0. Belgique li chiffonnait Gibraltar qui a gagné 9 goals à 0. Pourtant la Suède tombait devant équipe Bulgarie 3 goals à 2. La Suisse li fait tomber en 3 goals à 0. Luxembourg gagne Biélorussie 1 goal à 0. Gagne Chypre qui fait tomber Bosnie-Herzégovine. Dedin Zetko 3 goals à 2. Et puis la Hongrie lui-même qui gagne équipe Lettonie 3 goals à 1. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs matchs encore une fois dans sa Kigawe avec la zone Amérique du Sud. 0-0 entre la Colombie et le Venezuela. Et donc, on a dit victoire impressionnante de l'équipe paraguayenne qui gagnait l'équipe chilienne 3 goals à 0 en déplacement. 0-0 entre l'Uruguay et l'Argentine. 2 goals à 1 entre Bolivie et Pérou. C'est Pérou qui gagne Matza. Pourtant, Brésil, grâce à Paulinho, également Felipe Coutinho, qui certainement pas pour aller pendant le marché. Et donc, et bien, en 2018, vous pouvez voir pour vendre l'équipe FC Barcelona, Felipe Coutinho, qui lui-même t'est scoré pour l'équipe Brésil. Merci tout le monde. Je dis un game match, puisque l'Allemagne a joué contre la République tchèque là, sous télé. On va être capable de suivre ça, puisque l'Allemagne a déjà mené par le goal à 0.